annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batonum, Dindi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. La tentative de coup d'État déjouée continue de susciter de vives condamnations, surtout au niveau de la classe politique béninoise. Et le Bloc républicain, parti de la mouvance présidentielle, n'est pas du reste. Car, à travers ces démembrements, ce parti politique présidé par le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchané ne cesse de condamner cette tentative de déstabilisation et de réaffirmer son soutien indéfectible au président de la République Patrice Talon. Dans la 17e circonscription électorale, regroupant les communes d'Atiémé, Grand Popo et Comin, sous le leadership du vice-président Amavi Joseph Anani, ont ce samedi 5 octobre 2024, à la mairie de Comin, également manifesté leur engagement envers le président de la République et surtout condamné toute acte visant à remettre en cause l'ordre constitutionnel. La liberté de Christola. Après avoir chanté l'hymne national, en signe de loyauté et de fidélité aux valeurs démocratiques, les militants et militantes du Bloc républicain de la 17e circonscription électorale ont réaffirmé leur soutien au président de la République, Patrice Talon, à travers une déclaration de soutien ferme condamnant la tentative de coup d'État manquée. Après un message clair en langue locale, le vice-président Amavi Joseph Anani a procédé à la lecture de cette déclaration, démontrant que le parti et ses bases restent unis et résolument engagés derrière le chef de l'État. Il n'a pas manqué de saluer la promptitude des forces armées pour la paix et la préservation des acquis de la conférence des forces vives de la nation. Suivez. Nous, leaders politiques, responsables des coordinations communales, militantes et militants du Parti Bloc Républicain de la 17e circonscription électorale, venus des différentes localités des communes d'Atiémé, de Comin et de Grand Popo, avons été très indignés et révoltés suite aux derniers événements qui animent l'actualité politique nationale et qui ont failli mettre à mal notre démocratie chèrement acquise, ainsi que la sérénité du vaillant peuple du Bénin, que dirige avec foi en l'avenir depuis 2016 le président de la République, son Excellence Athanase Guillaume Talon. Après la prompte réaction des hauts responsables de notre parti, le Bloc républicain, réunis en urgence en session extraordinaire, le 27 septembre 2024, au sein du Bureau exécutif national à Cotonou, nous, leaders politiques, militantes et militants, du cheval blanc cabré de la 10e circonscription électorale, réuni ce jour, 5 octobre 2024, à Comin, fustigeant avec véhémence ce acte crapuleux, relevant d'une autre époque, qu'ont projeté perpétrer certains citoyens par ambition politique effrénée et tristement égoïste, visant à mettre à mal la paix sociale à travers un ignoble coup d'État contre notre chère nation, ses institutions et son peuple. Dénonçons toute tentative visant à mettre un coup d'arrêt aux réformes salvatrices engagées depuis 2016 par le gouvernement sous le leadership éclairé de son Excellence Patrice Talon, dont les résultats sont tangibles et palpables. Réitérons notre soutien ferme et inébranlable aux bâtisseurs, le président de la République, son Excellence Patrice Talon. Louons le courage légendaire dont a toujours fait montre le président Talon face à toutes les situations et plus encore dans le contexte actuel, et lui demandons de garder ce même courage pour ne pas se laisser ébranler ni perturber par des velléités de déstabilisation de l'état de droit et de la démocratie en chantier, d'où qu'elles viennent. Vive la République du Bénin. Longue vie au président
Patrice Talon. Que Dieu bénisse notre pays, plus uni, plus fort, pour construire le Bénin. Je vous remercie. Le maire de Koumen, Bernard Koffi Adan-Houpé, revient sur l'importance de cette rencontre. Et la coordination BR Koumen, la coordination BR Grand Popo, la coordination BR Atiemen, et nous nous sommes réunis dans la commune de Koumen pour faire une déclaration de soutien à notre président Patrice Talon, pour lui dire que la 17e circonscription électorale est encore derrière lui. Le soutien, il n'est pas seul. Nous sommes ensemble, nous sommes de cœur avec lui. Et il n'a qu'à continuer de tout ce qu'il a entamé. Il doit l'achever au nom de Jésus-Christ. La 17e circonscription électorale, sous la coordination du vice-président Anani, figure proue de la zone, témoigne sa détermination pour la défense des acquis démocratiques et son soutien à la dynamique de développement du Bénin, en cours grâce au président de la République, Patrice Talon. Bloc républicain. Plus uni, plus fort pour construire le Bénin. Bloc républicain. Plus uni, plus fort pour construire le Bénin. D'accord.